c'est peut-être, on va dire, le mot un peu barbare, le parcours de combattant. Pour pouvoir investir dans ce méthaniseur, c'est pas un bon de commande qu'on fait au départ. Au départ, c'est faut faire le permis de construire. Une fois qu'on a le permis de construire, il faut avoir l'accord bancaire. Après, il faut le bon de commande. Après, il faut attendre encore la construction, 6 mois. Et après, il faut construire, 3 jours. C'est ça que je veux dire. Entre le démarrage qu'on a envie et la production, 3 ans. Ça demande presque pas de main-d'œuvre. Ça demande Internet, des testos, des corrections par téléphone. On gère le débit de lisier vers le méthaniseur. Le niveau de gaz. Le Internet nous dit, vous êtes à la vidange. Vous avez encore 8 heures ou 15 heures pour aller faire la vidange des moteurs. Tous les 20 jours, il faut faire la vidange. Le bénéfice, aujourd'hui, avec le prêt à déduire et les frais de maintenance, il nous reste 20 000 euros par an. Au bout de 12-14 ans, le bénéfice sera plus important. Et au terme, c'est pour pouvoir produire notre énergie qu'on produit soi-même. C'est-à-dire peut-être consommer le courant qu'on a produit. Et que nos vaches soient autonomes de A à Z.